Allez, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes revenus à la Coupe de France à Tours entre pour la finale du groupe opposant Saint-Tropez à Levallois-Perret. Alors, nous assistons à la partie de Fernand Dubois contre Sébastien Saviata. Et le score est de 2-0 pour Sébastien Saviata. Voilà. Donc, bonheur et de bonne humeur. Et le président du comité vient nous faire un petit coucou. Bonjour à tous. Du coup, j'ai fait deux courses. Il y a des doublettes, on les prend là. Ouais, d'accord. Et dans l'autre groupe, la finale oppose Axetherm, opposé à l'équipe de l'Est. Alors, j'ai pas le nom exact. Frémin Sainte-Barbe, pardon. Et en plus, je les ai joués hier et je me souviens plus du nom parce qu'ils m'ont battu. Alors, et donc, Sébastien Saviata bah, bien attabé en faisant 2 points la première semaine. Il vient de pas trop mal pointer sa première boule. Et si vous voulez interagir sur le chat, vous pouvez toujours me poser des questions. J'essaierai d'y répondre avec précision si je le peux. Alors dès le matin 8h30, pas facile d'avoir des sensations. On va attendre un peu avant que ça vienne. Alors je ne connais pas tous les joueurs des équipes. Je vois que Jean-Michel Puccinelli joue contre Saviata, Franck Saviata, le père de Sébastien. Je vois Mathieu Edlin, alors qui joue contre un des joueurs de Saint-Tropez que je ne connais pas. Très belle frappe de, après la reprise de Dubois, très belle frappe de Sébastien Saviata. Je vois aussi Cindy Perrault qui joue contre une féminine dont je... Alors, qui joue contre Cousin Corinne. Cindy Perrault contre Cousin Corinne. La pointe, perdu ou gagné, je sais pas, ça se joue à très peu je pense. A priori il est perdu, il est gagné, pardon, première erreur de la journée. Bonjour, vous n'êtes pas très nombreux pour l'instant, 412 quand même, mais vous pouvez interagir sur le réseau. Oh là là, très très bien tiré de la part du petit Sébastien avec le carreau pile. Là, il fait une belle entame. Hein. Là, on ne peut pas dire, mais très belle entame. Dubois va essayer de le regagner. Et il est passé de 2. Donc ça va faire 4-0 pour Saviata. Alors à gauche, on me dit Poumon d'Acier, Mélic, Gasparini, Stéphane. Et à gauche, contre Mathieu Edlin, alors. Alors nous l'avions
Marini dans l'équipe par contre de Sainte-Barbe. Eh ben, Joe Diablo, eh ben, bonjour à toi. Et non, Patrick, Tchadourian ne joue pas à Saint-Tropez. Je ne sais plus dans quel club il est, mais... Ah, d'accord. On vient de me signaler qu'il était blessé. C'est qu'il a comme il vient de tenir cette année. Ah. Oui, alors là... Eh oui, un petit incident, l'alarme s'est mise en route, il n'y a pas le feu, ne vous inquiétez pas. Oui, donc on vient de me préciser que Tchadourian vient de muter, donc on pouvait avoir qu'un muté par équipe. Alors, donc, le début de la Coupe de France chez eux, donc il n'avait pas fait le début de la Coupe de France, donc il ne jouait pas pour l'instant. Donc ils seront renforcés encore cette année. Et donc là on vient de voir Dubois qui vient encore de manquer. Là il vient de le gagner, mais par contre deux boules en main encore pour Sébastien Saviata. Qui a l'occasion de se détacher dans cette mène. Ah, il vient de manquer sa première. Une mène importante quand même à 4-0, parce que s'il venait à en faire un ou deux, ça fait vraiment un mini break. Et il a frappé, il a sorti seul, donc 5-0, bien tiré. Alors que sur le terrain des féminines, Cindy Perrault s'envole, 5-0. Puccinelli 3-3. Puccinelli 3-3. La partie d'à côté, alors je ne sais pas, je ne connais pas, il y a 2-1. Mais c'est encore le début. Et la partie d'à côté de Sébastien Saviata, le joueur de Saint-Tropez, mène 4-0. Montoro, non, a dû signer à Nice, je crois. Slipper et Montoro a signé à Nice. Donc, je ne sais pas s'il joue avec l'équipe en Coupe de France. Alors, s'il n'y a qu'un muté, on a droit. Montoro, il est parti à Nice. Ouais. Mais il peut pas jouer. Ah oui, d'accord, parce qu'il vient juste de muter. D'accord. Ok. Si tu as muté cette année, tu ne peux pas jouer. D'accord. Je ne sais pas si Cindy jouera avec Tchadourian, je ne sais pas du tout. Alors là, je ne connais pas les compositions de l'équipe de Saint-Tropez pour les championnats. Le petit Dubois a du mal à rentrer dans la partie ce matin. Très bel appoint par contre de Dubois. Alors Saviata va aller tirer. Il a encore une mène pour lui en tirant bien.
Alors le terrain est assez compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Le carré d'honneur est assez compliqué. Et 3 points pour Saviata qui la prend le large complètement, 8 à 0. Très belle main encore. Dans cette partie de tête à tête qui va assez vite. Cindy Perrault, fidèle à elle-même, avance tranquillement, elle domine la situation. Puccinelli mène 5 à 3 dans son tête à tête contre le père à Sébastien Saviata. Ah, Sébastien, un peu sur le côté, mais pas mal envoyé pourtant, elle n'est pas restée droite. Mais il est bien réveillé ce matin, hein, la première. Sont un peu surpris parce que toutes ces équipes ont joué sur les terrains en dehors du carré d'honneur qui est un peu facile à tirer et à pointer aussi un peu, et donc là dans le carré d'honneur par contre au tir il est assez compliqué. Merci Sniper, je vois que tu connais tous les joueurs de Saint-Tropez, alors Chassigneux, d'accord, à droite. Donc il mène largement pour l'instant dans cette partie. Sur la main, il ne va pas marquer. Alors, Petit Dubois n'avait pas gagné le point. Il repointe sa deuxième et peut-être encore court, je ne sais pas. Et le joueur qui joue contre Chassigneux vient de faire 3 points. Il a gagné le point. Oh là là, très bien joué. Alors un peu de réussite, il prend le bouchon, s'en fait deux. Alors là, c'est vraiment... l'apothéose, mais elle était bien jouée sa boule. Hein. Très bien jouée, un peu long, bon il prend le but. Et là, comment dire, alors Dubois, alors là sur cette main, pas facile à gérer encore. A peut-être envoyé un peu dans la boule, s'il pouvait enquiller. A très très bien joué, a joué à perfection, un peu plus fort et de gagner. Très bien joué. Donc là, il va prendre un point. Je pense qu'on va pas jouer la boule, on va pas s'embêter. Parce que il va voir le terrain, bon il va peut-être l'acheter, mais il n'est pas obligé de la jouer.
Donc voilà, il la joue pas, c'est ce que je vous disais, c'est trop dangereux. Et ça lui fait 9 à 0. À côté, le Mathieu Edline mène 4 à 2. Alors 9-0 dans cette partie. Pour l'instant, Dubois n'est pas rentré dans la partie, mais alors il faut dire que Sébastien Saviata fait une partie énorme, hein, pour l'instant. Dans le terrain très technique, il joue très très bien, hein. Rien à dire. Et oui, sniper, Puccinelli est là, il mène assez largement. 10 à 3. Contre le père de Sébastien Saviata. De son prénom Franck, si je me souviens bien, oui, c'est ça. Ah, et je disais qu'il jouait très bien, mais voilà, il vient d'en perdre une. Mal piqué. Comme je vous dis, le terrain est très technique. Il faut vraiment être en pleine forme dès le matin. Voilà, celle-là est bien jouée. Mais là, je pense que le petit Dubois va ouvrir le score. Allez. Il va en faire deux. On me dit peut-être à côté un joueur averti. Il avait raison. Et dans ce terrain très technique, il a mal piqué et il l'a perdu. Comme je vous dis, c'est un terrain assez compliqué. C'est un beau terrain. Carré d'honneur est un terrain très technique. Bravo. Sur un terrain, là, ça se tient de très très près. Entre Saint-Tropez et... Je viens de voir tirer Jean-Michel Puccinelli un peu haut. Le petit Dubois, ben bien pointé, pas mal pointé hein, sur ce terrain, les belles, hein, cette boule. Je pense qu'ils vont tirer. Le petit. Saviata va sûrement tirer. Ah, peut-être pas. Il regarde. Non. Il va encore pointer. Parce qu'il n'y a pas très loin. Vu la forme qu'il a eu depuis le début, j'aurais presque tiré moi. Il faut le gagner celui-là, il n'est pas facile. Et voilà, il est perdu. Je pense qu'il va tirer la deuxième. Eh oui. Je vois pas ce que tirer avant moi. Voilà, mal tiré aussi. Voilà. Et là, ça fait deux mènes là. Alors il mène largement, mais dans ce terrain, faut faire attention, ça peut aller vite. Perdu encore, donc le Fernand Dubois peut, je pense, rajouter. Enfin, faut pas qu'il fasse comme la main d'avant, parce que sur ce terrain, ça va vite. Mais bon, il a la possibilité de rajouter un ou deux points supplémentaires, il en a besoin. Hein.
Et il a rajouté un deuxième point. Très bien joué. Il a joué en gaucher. Et il en a fait 3. Et vous voyez, ça fait 4 à 9 pour Saviata. Et pour faire attention dans ce terrain, ça peut aller vite. Oh là là, très beau tir de Mathieu Edlin encore sur le terrain d'à côté. Mathieu que j'ai vu jouer depuis hier, qui fait sensation au tir. Et qui mène, je crois, maintenant 9 ou 10 à 3 ou 2. Alors, Pi du Bois, alors ça, il en a fait 3, ça mène avant, il n'a pas marqué le score, mais ça fait 4 à 9, 9 à 4 pour... Oui, non, mais je parle de la partie de Dubois contre Saviata. Et un peu fort, oui, parce qu'après il joue dans la partie sèche, et la partie sèche, dès que le terrain a séché, ça roule beaucoup plus. Les gens de comité ont fait ça bien, ils ont arrosé le terrain. Ah non, me dit le président du comité, ils n'ont pas arrosé le terrain. C'est des infiltrations. C'est inquiétant. Et reprise de Sébastien, un point moyen également, mais il a fait une belle reprise. Jean-Michel Puccini arrive à 12. Très bien joué de la part de Dubois, très beau point. Très bien tiré de la part de Sébastien Sévata, qui a l'occasion de marquer encore un point ou deux s'il tire bien cette dernière, si Dubois reprend. Je viens de voir un tir de Cindy Perrault, très chanceuse, elle tombe sur le bouchon, elle se donne le point. Oh là là, il l'a perdu. Alors là, c'est deux points pour sûrement deux points pour Sébastien Saviata. Encore une boule.
Et 12-1 pour Cindy Perrault. 10-3 pour Mathieu Edeline. 11-4 pour Saviata. Puccinelli 12-7 et les deux autres parties c'est plus serré, 7-5 pour Saint-Tropez. Alors là très beau tir de, si j'ai bien mon souvenir, alors c'est Chassigneux. De Sébastien Saviata. Saviata. Et je crois que Dubois n'a pas repris. Et c'est manqué. Alors que oui, Puccinelli, Jean-Michel Puccinelli vient de s'imposer, donc ça fait 2-0 pour Saint-Tropez. Oh, il prend le bouchon. Et il va y avoir de la place pour Sébastien Saviata pour terminer cette partie. C'est Jean-Michel Puccinelli donc, qui a gagné la première partie. 13-7 contre le père de Sébastien Saviata. Été gagné et c'est fait et c'est la victoire donc pour Sébastien Saviata 13-4.